Oui. Qu'est-ce que j'ai mal au couille? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection d'une certaine manière, même si comme le film n'est pas encore sorti, on pourrait le considérer aussi comme une pré-projection. Je vous demande de ne pas crier, je vous expliquerai tout ça, le pourquoi et du comment, et bien pas de soucis. Donc il va être question dans cette vidéo du film Escape Plan Q, Hades, Évasion 2 en français, et j'ai déjà aussi entendu dire Évasion 2, le labyrinthe d'Hadès. Je vous avoue, j'ai pas spécialement cherché, vous comprendrez aussi pourquoi tout prochainement. J'avais bien aimé le premier Escape Plan personnellement, qui mettait en scène donc Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Il faut bien être d'accord, ce sont des acteurs mythiques, des acteurs cultes, mais qui ne sont plus au sommet de leur art, ils ne remplissent plus des salles à eux tout seuls, bien qu'ils la remplissent plus sans doute que d'autres acteurs, parce que justement ce sont des légendes. Et comme ils sont plus au top niveau, ils ont eu la bonne idée de se dire, tiens, cette fois-ci on va faire un duo, un peu le fantasme classique de réunir des légendes afin de faire un film. Alors vous pourrez me dire qu'ils ont déjà travaillé ensemble sur Expandable, mais sur Expandable c'était plus une petite blague, d'ailleurs ils ont eu assez peu de scènes ensemble, cette fois-ci c'était l'idée de faire un vrai film à deux. Pour ce qui concerne ce Escape Plan numéro 2, il est réalisé par un certain Steven C. Miller, que je ne connais aussi absolument pas. J'ai regardé sa filmographie, je n'ai vu aucun de ses films. Et pour la petite histoire, sur Allociné, j'ai regardé les notes, pour prendre quelque chose de bien franchouillard. Le film qu'il a, qui est le mieux noté, il est noté à 2,9. Donc le monsieur n'a pas l'air d'être un faiseur de chef-d'œuvre. Hein. Soyons clairs. Au niveau du casting, et si on se base sur les listings de casting qu'on nous donne, nous avons donc Sylvester Stallone qui reprend son rôle. Cette fois-ci, nous n'avons pas Arnold Schwarzenegger, mais nous avons Dave Bautista. Et je vais me permettre de vous dire qu'il y a un chinois qui s'appelle Wang Xiaoming. Wang Xiaoming, c'est un acteur que vous avez peut-être pu voir dans le rôle de Wong Chung-Lung dans Ip Man 2. Ça en fait des noms chinois, hein. Mais c'est parce que c'est pas compliqué. Ip Man et Wong Chung-Lung, c'est des personnes qui ont réellement existé. Wong Chung-Lung étant un des élèves célèbres de Ip Man. Je rentre pas dans les détails ici, on parlera d'arts martiaux une autre fois. Le premier Escape Plan avait été un four plus ou moins retentissant à travers le monde, sauf en Chine, où il a cartonné. Et du coup, qu'est-ce que nous avons dans cette suite? Un gros logo de producteur chinois. Alors, vous me direz, on voit des logos de producteurs chinois dans beaucoup de productions. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le film À la dérive, dernièrement, et dans ce film, il y avait aussi un logo de producteur chinois, et d'ailleurs, même quand le film commençait, dans le générique, on avait des noms chinois au niveau des producteurs. Mais soyons clairs, À la dérive n'avait rien d'un film chinois, ni dans la forme, ni dans le fond, ni dans quoi que ce soit. Celui-ci est un petit peu différent parce qu'il vise clairement le marché chinois. Je reviens aussi là-dessus dans pas longtemps du tout. Tout d'abord, je veux donner une note à ce film et cette note va être de 2 sur 10 parce que non seulement c'est un mauvais film, mais en plus ce film est une arnaque. C'est une contrefaçon. On se fait avoir. Voilà. C'est dit. Alors, comme je disais, cette fois-ci, le film, il vise le marché chinois. Et je vais être honnête avec vous, vous voyez cette affiche? Vous voyez Sylvester Stallone, Dave Bautista, tout ça, hein? Ils apparaissent à peine dans le film. Alors, pour Sylvester Stallone, je suis un petit peu plus méchant, parce que dans la première heure du film, il doit apparaître 3 fois, et il a une voix off en mode vieux maître. Et après, dans la deuxième partie, les dernières 20 et quelques minutes, il apparaît un peu plus, oui. Mais il a clairement pas le rôle principal. Quant à Dave Bautista, il doit avoir vraiment 3 scènes dans tout le film. C'est tout. Le film met en avant le personnage principal interprété par Wang Xiaoming. Vous comprenez maintenant le lien? Ce film est destiné clairement au marché chinois et c'est pour ça qu'il est mis en avant. Le problème n'est pas qu'il vise le marché chinois, le problème c'est que c'est un film dégueulasse. Que Wang Xiaoming en lui-même, il est plutôt bon acteur et je trouve qu'il a une certaine présence et ça c'est pas un souci. Le problème de ce film, c'est que c'est un mockbuster. Là on atteint l'autre chose que je disais, c'est que le film est une arnaque, c'est un mockbuster, c'est une production The Asylum. Alors c'est pas The Asylum qui le produit, mais on est exactement dans ce genre de truc. Pour ceux qui savent pas qui est The Asylum, est-ce que c'est qu'un mockbuster? Un mockbuster, c'est une copie d'un blockbuster low cost avec des effets spéciaux dégueulasses et qui ont pour but d'arriver sur le marché et d'être parfois confondu, peut-être acheté à la place de l'autre, loué à la place de l'autre, etc. etc. Pour rappel, The Asylum, ils ont fait des films rigolos comme Sharknado par exemple, qui est un nanar avoué, et ils ont fait des films tels que Titanic 2, que j'ai pas vu, qui je pense doit aussi être une comédie. Moi j'avais vu la version Battleship de The Asylum, je me rappelle plus du titre, et j'avais vu un truc qui s'appelait The Terminators, vous voyez, enfin bref, tout ça pour dire. Et donc ce film c'est ça, c'est une arnaque de ce genre là, c'est-à-dire
C'est un film low cost avec des effets spéciaux visuels absolument dégueulasses. Donc quand il y a une explosion, c'est dégueulasse. Quand il y a un truc qui pète, c'est dégueulasse. Et le pire, c'est l'espèce de prison dans laquelle ils sont. C'est une prison hyper low cost dans laquelle on voit pas grand chose exprès pour cacher... pour faire office de cache-misère, et c'est rempli de néons de couleurs dans tous les sens. On se croirait dans une boîte de nuit absolument dégueulasse. Je vais dire souvent dégueulasse, hein, croyez-moi. Absolument dégueulasse, dans laquelle quand tu gagnes des combats, t'as accès à une espèce de plateforme avec des écrans tout autour, enfin bref. Et si avec le visuel qui était dégueulasse, mais non, mais l'histoire est totalement inintéressante. Moi, j'étais absolument pas dedans. Justement à cause de l'effet bam dans la figure de voir que le film c'était pas du tout même une suite on va dire avec moins d'argent, moins de budget, mais une suite qu'il voulait faire, c'était vraiment autre chose. Je me suis fait arnaquer. Et sachez que j'ai fait une pause dans le film, c'est-à-dire j'ai commencé à le regarder un jour, j'ai fait attends, j'ai arrêté, j'ai attendu deux jours, et j'ai regardé la suite pour voir si justement je m'étais fait à ce décalage. Non, je ne me suis pas fait. L'histoire, comme je dis, est peu intéressante. Il y a des scènes de combat à main nue, il y a très peu de scènes d'action pampan, c'est surtout des scènes de baston à main nue. Et ça tombe bien parce que le personnage principal donc fait une sorte de kung-fu, il a l'air de se battre comme dans les films de kung-fu, d'accord, très bien. Sauf que c'est filmé avec la caméra qui bouge tout le temps comme ça, donc ce qui fait qu'on voit pas bien les scènes d'action, enfin c'est la manière la plus basique de filmer une scène d'action et pas toujours la meilleure. Donc c'est pas spécialement bien filmé non plus, c'est-à-dire c'est pas comme s'il y avait un qui rattrapait l'autre. Donc on a un film qui est pas beau visuellement, horrible, un film qui est mal filmé, entre autres parce qu'il n'est pas beau visuellement, puis il faut cacher des trucs. On a un film qui nous arnaque sur les acteurs. Magnifique, non, quand même. On est vraiment face à un film qu'on nous vend d'une certaine manière et qu'on nous présente totalement autrement. Un film qu'il faut éviter. Parce que vous ayez aimé ou non le premier Escape Plan, c'est un film qui, en tout cas, niveau production, était correct. Je dis pas que c'était le plus gros blockbuster de l'histoire, mais il était correct. Et là, c'est absolument pas le cas. Pour rentrer un petit peu plus dans le genre de petits stéréotypes qui dérangent et qui vont vous... Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était horrible. Regardez les tenues qu'ils portent quand ils sont dans cette prison. Les mecs sont en kikogi, comme on dit en japonais, non pas en chinois. D'accord? Les mecs, ils sont en kimono, presque comme en judo, il leur manque juste la ceinture, vous voyez? Mon dieu, mais ça rajoute encore du stéréotype dégueulasse, pas beau, quoi. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai pas du tout aimé le film. Alors, à la base, j'allais faire cette vidéo en mode revendication. Ouais, marre des producteurs qui sortent pas les films dans les temps, qui attendent je sais pas combien de temps pour nous sortir enfin un film. Des fois, ça sort aux USA, faut attendre 3 mois, c'est quoi ces âneries, machin, truc bidule, après on le trouve sur Internet, et on le trouve avant, c'est vous qui perdez du fric, arrêtez de faire ça, sortez les films, je voulais faire un truc militant, limite avec ma pancarte. Et après avoir vu le film, ne le sortez pas, ce film. Ne le sortez juste pas. Je veux pas le voir au ciné, c'est clair? Bon, je tiens quand même à préciser que s'il sort au ciné, je prendrai un ticket, avec ma carte illimitée, évidemment, je prendrai un ticket pour faire partie du box-office parce que je l'ai vu, et donc c'est une manière de rendre quand même à César ce qui est à César. Mais en ce qui me concerne, ne sortez pas ce film au cinéma. Sérieusement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est juste une arnaque. Et une arnaque qui est même pas intéressante dans le genre série B. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce que je pense de ce film. J'allais dire n'y allez pas, mais je pense que j'ai déjà assez dit. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous raser, de vous laver les pieds, d'aller à l'école. Ah non, c'est les vacances. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.